What? Je suis clairement mais c'est tellement stylé. C'est une tirelire Ogimegi. Mais non, mais c'est beaucoup trop stylé. C'est une tirelire Ogimegi, regardez. Aujourd'hui, top 7 des créations les plus étranges de Poppy Playtime, chapitre 2. Et on commence tout de suite avec le top 7. Ok, on a d'abord une feuille pliée en 2, puis ensuite en 4. La feuille a été littéralement pliée en 4. Je comprends absolument pas pourquoi. Des petites inscriptions à la règle. La feuille est de nouveau séparée en 4. Regardez, ça va faire 4 cases. Let's go, j'avais clairement deviné. Ensuite, il coupe avec le ciseau dans les 4 cases. Mais cette création a l'air vraiment très très étrange. Très hâte de découvrir le résultat final. C'est ensuite des feuilles. Ok, on est vraiment sur la place numéro 7. Donc ce sera la création étrange la moins bien de cette vidéo. Mais néanmoins, je suis très curieux de découvrir ce que ça va être. Ok, du dessin, là je comprends très bien. Et ça va être le player de Poppy Playtime. Mais qu'est-ce que fait le player de Poppy Playtime dans cette première case? Je ne comprends rien. Nous avons ensuite un visage qui se dessine. Oh, je parie que c'est Buns Openy. Ok, votre objectif c'est de deviner le prochain personnage de la prochaine case, la troisième. Tous ceux qui auront trouvé, je mettrai un gros cœur sur votre commentaire. Ok, quel va être ce personnage? Ouloulouloulou, attendez, je ne comprends pas. Quel va être ce personnage? Oh, ok, c'est Pidgey Pug Pilar. Vous l'avez tous reconnu. Et là, évidemment, c'est Momi Long Legs. Let's go. Ok, nous avons clairement Momi Long Legs juste ici. Mais ça ne me donne aucune information sur quelle va être cette création. Ok, les couleurs sont ajoutées. C'est très satisfaisant, je vous avoue. Vraiment, je trouve ça ultra satisfaisant. Ok, il fait d'abord toutes les couleurs jaunes. Ensuite, les couleurs rouges. Ah, franchement, il est très très smart. Il a 2000 IQ. Ok, ensuite on a le vert et on a... Oh, what? Mais les cheveux de Momi Long Legs, ils sont roses, ils sont pas rouges, c'est quoi ce délire? What? Mais son rouge, il est devenu rose, c'est quoi ce délire? Ok, c'est très stylé, il découpe les 4 personnages et qu'est-ce qu'il va en faire? Je comprends absolument rien à la création des abonnés, je dois vous l'avouer. Il colle les petits personnages sur des cases. Quel va être le résultat final? Vraiment, on se demande tous. Et ensuite, on passera à la création numéro 6. Ok, c'est une sorte de petit livre interactif un petit peu magique. Oh, ok, c'est une feuille magique. Oh là là, c'est trop stylé. En fait, littéralement, c'est une feuille magique. En gros, parfois, tu peux l'ouvrir, la retourner, ce sera toujours blanc. Et si t'as bien le coup de main, eh bien, tu peux faire apparaître les personnages. C'est trop stylé. Ok, on passe sur la création numéro 6 de notre classement et on a deux petits verres en plastique ou plutôt en carton. J'ai l'impression que ce sont des verres en carton. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que c'est. Et nous avons un premier personnage qui est dessiné. What? Mais quel est ce personnage? Il s'agirait peut-être du papa Momi Long Legs. C'est clairement lui, il me semble. On dirait vraiment Daddy Long Legs. Dites-moi si vous connaissez ce personnage. C'est le père de Momi Long Legs, mais il est pas très connu pour l'instant. Ok, la création a l'air vraiment très cool. J'ai très très hâte de découvrir le résultat final. Vraiment, ça a l'air incroyable. Ok, regardez, des grosses dents bien crochues. On insère le verre à l'intérieur. Oh, ok, j'ai capté le truc. Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est beaucoup trop stylé. En fait, c'est pour faire différentes humeurs de Daddy Long Legs, le papa de Momi Long Legs. Et on enchaîne avec le top 5 des créations les plus étranges de Poppy Playtime. Et je crois que cette création va être totalement incroyable. Je me demande même pourquoi elle est pas sur le podium. On a d'abord un gros carré rouge. Le rouge, ça fait penser à quoi? À YouTube. Ça fait penser à vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la notification pour ne rien louper de ces prochaines vidéos. Mets un petit pouce bleu à 10 000 pouces bleus. Je re-regarde les créations les plus étranges de Poppy Playtime, chapitre 2. Ok. Qu'est-ce que ça va être? Oh là 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 là. On a une sorte de carré ouvert. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. Bon, je comprends pas tout. Wouah, là, il y a des trucs de pliage. Je suis complètement perdu. On dirait un pouce-pouce ou une cocotte. Voilà, ça s'affiche à l'écran ce que c'est qu'un pouce-pouce et une cocotte. Dites-moi si vous en avez déjà fait. Si vous en avez déjà fait, mettez un petit commentaire, un gros like et abonnez-vous. Je parie que vous en avez déjà fait à votre école. Ok, on a Buns Openy qui est en train d'être dessiné, c'est incroyable, c'est trop stylé. Mais à quoi va servir ce gros Buns Openy? Regardez, il est énorme. Ok, on a le coloriage, c'est toujours ultra satisfaisant. Ces feutres, franchement, ils sont incroyables. Je trouve que voilà, ça colorie trop trop bien. Les couleurs, elles sont trop belles. Franchement, je suis complètement fan. Ok, Buns Openy est entièrement dessiné. Oh, il est trop stylé avec la petite ombre et tout. What? Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Ok, il colle sur différentes parties du rouge. Je vais appeler le pliage rouge, voilà, la cocotte. Mais je crois que c'est clairement ça. On dirait vraiment ça. Ensuite, on a Momi Long Legs. Avec ses gros yeux, voilà, c'est ce qui distingue bien Momi Long Legs des autres monstres. Je raconte n'importe quoi. Huggy, il a clairement des énormes yeux aussi.
Ok, pourquoi est-ce qu'elle louche mon Milonglex? Ça lui donne un air totalement débile. C'est quoi ce délire? En tout cas, c'est très bien fait, on est sur la chaîne Cool Art, du coup ça fait plaisir. Voilà, les cheveux qui sont clairement rouges, mais je vous parie qu'ils vont devenir roses. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Son feutre est rouge, ensuite il devient rose, je comprends rien. Eh, franchement, elle est trop stylée la momie Longlegs aussi. Oh là là, mais le résultat final, il va être insane à mon avis. Alors, combien de personnages il va y avoir? Je sais pas trop. On a un troisième personnage, peut-être le dernier. On va voir, et ça va être Pidgey Pug Pillar. C'est clairement lui, regardez, avec sa petite tête de chien. C'est clairement Pidgey Pug Pillar. Let's go. D'ailleurs, si jamais à un moment dans cette vidéo je me trompe, dites-moi en commentaire, je mettrai un gros cœur à tous les commentaires qui m'ont prouvé que je m'étais trompé. Mais regardez, il a un feutre de couleur rose. C'est quoi son feutre rouge là de tout à l'heure? Je comprends rien, mais attendez, on va aller vérifier sur Google. Momie Longlegs, elle a bien les cheveux roses. Là, je suis quand même pas fou, elle a les cheveux beaucoup plus roses que ça. Bon, allez, let's go, voilà, le coloriage est bientôt fini. On a notre troisième personnage. Ouah, clairement, les effets d'ombre, ils sont toujours incroyables. Revenez un petit peu en arrière sur la vidéo si vous voulez mieux voir les effets d'ombre. Voilà, on les voit un petit peu juste ici. Il colle les quatre morceaux et quoi? On a un quatrième personnage. Oh, mais quel va être ce personnage? Je vous parie que ça va être Huggy Wuggy. Je reconnais très très bien. Ou non? What? C'est pas Huggy Wuggy? Non, s'il te plaît, il faut que ce soit Huggy Wuggy. C'est Huggy Wuggy, vous pensez? J'en suis passé sur des gros yeux comme ça. J'espère vraiment que c'est Huggy Wuggy, s'il vous plaît, les abonnés. Non, ça va être Kissimissi. Ou alors, ah non, c'est un... Ah non, c'est un Huggy Wuggy, mais il est un petit peu étrange. Il est pas comme d'habitude. Il a l'air plus gentil, ce Huggy Wuggy. Regardez, il a des grosses dents. C'est des grosses dents de lapin. Je suis pas sûr que ça va super mal quand ça vous morde. Ok, il colle. Et là, je parie que c'est le dernier. Let's go. On va voir son petit pouce-pouce. Oh, what? Je suis clairement mais c'est tellement stylé. Alors, c'est pas un pouce-pouce ni une cocotte. D'ailleurs, dites-moi si vous dites pouce-pouce ou cocotte. Mais c'est clairement la création la plus stylée pour l'instant de cette vidéo. C'est normal, on est au top 5. On passe tout de suite au top 4. Let's go, wow. Ok, là ça devient beaucoup moins marrant. On a littéralement un cercueil. Ouais, ouf. Pourquoi on a un cercueil? C'est super bizarre. Un cercueil en carton, wow, c'est chelou. Il a mis des pics au fond de ce cercueil. Je comprends pas trop pourquoi. Ok, il dessine quelque chose sur une des parties du cercueil. Et ça semble être Huggy Wuggy. Attendez, c'est le bas en tout cas de Huggy Wuggy. Est-ce que ça va être Huggy Wuggy ou Kissimissi? On va le découvrir dans un instant. J'espère que c'est Huggy Wuggy, c'est clairement mon personnage préféré de Poppy Playtime. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré de Poppy Playtime. Ok, c'est clairement Huggy Wuggy. Regardez, la couleur bleue est arrivée direct. Ah, ça fait plaisir. Alors par contre, Huggy Wuggy, j'espère que tu vas pas aller dans le cercueil puisque tu m'as l'air bien vivant quand même. Regardez ses yeux, il a l'air clairement vivant. Où est-ce qu'il est enfermé dans un cercueil, Huggy Wuggy? Je comprends pas le délire. Ok, il y a des trous dans le cercueil. Mais non, mais quelle va être cette création pour l'instant? Je comprends rien. What? Ok, on a le cercueil final. Oh, oh non, c'est du génie. Oh, c'est du génie, c'est trop stylé. Oh, je crois avoir compris. En gros, quand il va fermer le cercueil, ça va faire un tour de magie. Puisqu'en fait, regardez, quand il enfonce les pics dans le cercueil, eh bien, ça ne va pas percer Huggy Wuggy. C'est clairement un tour de magie, c'est trop stylé. Regardez, là, il a planté tous les pics. Et lorsqu'il va retirer les pics, eh bien, Huggy Wuggy ne sera absolument pas percé. Ok. Oh, cette création est trop stylée. C'est une création tour de magie, c'est incroyable. On passe tout de suite au top 3. Et on a un carton de la taille d'un téléphone. Ok, il a coupé dans ce carton. Il va faire un téléphone Huggy Wuggy. Ce serait vraiment trop stylé. J'ai très hâte de découvrir la création finale. Il colle les deux cartons entre eux pour faire une sorte d'écran. Très intéressant. Je vous parie que ça va être un portable Huggy Wuggy. Non, vraiment, si c'est ça, je pète un câble. Je veux clairement l'acheter tout de suite. Et je peux ensuite gagner mon iPhone parmi les abonnés. Donc abonnez-vous. Let's go. Du coup, on a Huggy Wuggy qui est en train d'être dessiné. Trop stylé. Alors là, il est un petit peu plus vénère, ce Huggy Wuggy. Regardez ses dents. Franchement, je le préfère comme ça. Encore du carton. Ok. Bon, on va voir. Il colle le Huggy Wuggy sur ce carton. Et je suppose que ça va être l'écran. Ok. What? Non, mais c'est quoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi t'as tout coupé comme ça? Oh non, j'ai capté. C'est trop stylé. C'est un jeu. Mais oui, vous savez, c'est ce fameux jeu où faut reconstituer l'image. Oh, c'est trop stylé comme création. Ça mérite très clairement cette troisième place du classement général. On a ensuite la deuxième position. Oh là 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 là, les créations sont de plus en plus stylées. Ok, ça va être quoi encore? Oh, yes. C'est encore Huggy Wuggy, mon personnage préféré. Aïe, 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 je suis trop content. Let's go. Wow, alors là, par contre, vraiment, il a les dents comme je kiffe. Vous savez, il a ses trois rangées de dents. Comme les requins, ils ont plein de rangées de dents. Et le requin, clairement,
clairement c'est mon animal préféré. C'est trop stylé un requin. Ok, let's go. Il dessine des petites mains. Mais attends, mais pourquoi les mains elles sont décollées de Guiwegi? J'aimerais bien... Oh, oh, oh. C'est trop stylé. Et on passe au top 1. Let's go. Ok, le top 1 de cette vidéo. Oh mon dieu, ça va être incroyable. C'est la création la plus stylée de cette vidéo dès maintenant. Ok, il est en train de faire un cube de carton. Un cube de carton avec une petite ouverture. Une télé de carton, Guiwegi. Non, mais qu'est-ce que ça va être? Il ferme encore. Ouah, mais attends, mais c'est un meuble, Guiwegi. On dirait des tiroirs. Il est en train de nous construire un meuble, Guiwegi. Oula, il avait plein de colle sur les doigts. Vous pouvez remonter un peu dans la vidéo. Mais attends, mais c'est un meuble, Guiwegi. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Sinon, s'il crée des... Mais oui, c'est un meuble Guiwegi. Attends, mais on va découvrir ça. Ou peut-être juste un meuble Poppy Playtime chapitre 2. Oh non, c'est clairement Guiwegi. Regardez la forme qu'il est en train de dessiner. C'est clairement la tête de Guiwegi. Et là, imaginez, il me dessine Kissimissi. Oh non, je serais trop triste. Mais je vous parie que ce sera Guiwegi. Ok, let's go. Ok, là, on a les dents stylées. Oh non, c'est pas trop les dents que je kiffe. Oh non, moi, je préfère avec plein de rangées de dents. Mais c'est pas grave, en vrai, c'est quand même stylé. Les gros yeux de Guiwegi. Il commence à être pas mal, le Guiwegi. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Ok, ah là, le Guiwegi. Et franchement, ce mec est trop fort en dessin. Il faut le dire, hein, ce mec est un génie du dessin. Je voudrais clairement pas faire un concours de dessin contre lui. En vrai, ce serait trop stylé. J'aimerais trop faire un concours de dessin contre lui, mais je pense qu'il m'explose. Alors là, vraiment, je crois qu'il est parti pour faire vraiment un Guiwegi ultra stylé. Regardez les détails qu'il met sur les yeux. Mais je comprends pas encore pourquoi il a fait un petit meuble juste avant. Un meuble en carton, et là, il dessine Guiwegi. Quelle va être cette création très étrange? On va très vite le découvrir, vous inquiétez pas. Là, c'est le coloriage. Et comme d'hab, il a les meilleurs feutres de ce monde. Vraiment, je suis super jaloux. Je veux les mêmes feutres. C'est quoi ces feutres de fou? En fait, c'est des feutres avec la même mine que des surligneurs. Du coup, ça permet de faire des gros traits pour le coloriage. C'est trop stylé. Franchement, c'est trop stylé. Attends, mais tu te fous de moi en plus? C'est un monde. Mais attends, mais tu te fous de moi en plus? C'est des feutres à double mine. Regardez, une en bas et une en haut. Là, il y a le feutre précis. Et ensuite, il y a le feutre comme un surligneur. Non, mais waouh. Je veux la référence de ces feutres. Oh là là, les détails sur les dents, ils sont incroyables. Mais j'ai toujours pas compris le rapport avec le meuble. Je veux voir le rapport en fait. Ok, what? Attends, il a coupé la bouche. What? Il colle ça sur le meuble. Attends, mais... Oh, non! Les abonnés! Oh non, c'est tellement stylé! C'est une tirelire Guiwegi! Mais non, mais c'est beaucoup trop stylé! C'est une tirelire Guiwegi! Regardez! Il fait avaler à Guiwegi la pièce! Beaucoup trop stylé! Clairement, le top 1 de cette vidéo! Allez, bye tout le monde, les potos, je vous aime et à très très vite!